de musique, c'est chaque jeudi sur Watch Music Now. Au sommaire cette semaine, l'un est un couple d'amis, l'autre est un couple d'amants. Brigitte et John & Jen sont nos découvertes de la semaine. C'est l'une des révélations 2008, Charlie Winston était en concert à la Cigale. Les news avec la sortie des albums de Gossip, Graham Coxon et Regina Spektor. Et le nouvel album des Naïve New Beaters a gagné en fin d'émission. Si j'avais le cœur comme de la pierre. Elles sont la réincarnation des femmes des années 70, belles, pulpeuses et talentueuses. Brigitte s'offre une représentation intime dans Paris. Comme nos voix s'imbriquent et vont bien ensemble. Parfois même, on ne sait même plus qui a chanté quelle partie, tellement quand on chante ensemble, que voilà, c'était bien d'avoir un juste un prénom pour cette identité-là. Ensemble à la ville comme à la scène, ce couple a su se trouver pour nous concocter un album à deux faces, celui de John & Jen, découverte d'une musique à deux visages. En live, on cherche juste l'impact, on cherche beaucoup ça. C'est-à-dire qu'en disque, on va plus prendre notre temps, poser ce qu'on a envie de poser, mettre plein d'instruments si on en a envie. En concert, on essaie toujours de réduire à l'essentiel et de pouvoir faire en sorte d'interpréter les morceaux de manière forte et énergique. Bonjour, je suis Charlie Winston sur Watch Music Now. I don't care about, you know, like being a fashion. Fashions don't last. I want to make something that lasts. I don't care about me. I don't care. I don't even care if people don't know my name. I use my name just because I have to. But you know. If in 500 years down the line someone picks up a tape that has no name and they listen to my music and they get touched by a song, that's more important to me than someone reading my name. Grecque, guerre et folk des années 60, on pourrait penser à un film, mais le 7e album de Graham Coxon promet juste une richesse musicale. The Spinning Top chez Transgressive Records. Ne vous fiez pas au titre du nouvel album de Gossip, Music for Men, édité chez Columbia et pour tout le monde, porté par la déferlante Beth Ditto. Regina Spektor revient après 3 ans d'absence. Son nouvel album Far, édité chez Warner, est simple et juste à l'image de l'artiste au grain de voix unique. Attention, l'album des Naïve New Beaters a gagné en répondant à la question suivante. Quels sont les noms de scène des 3 membres du groupe? Envoyez vos réponses et coordonnées à watchmusicnow@neptune.com. À la semaine prochaine. Bonjour, c'est John & Jen sur Watch Music Now.